Bienvenue à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 12 de Dramo 2. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on s'était quitté, on avait fini ce fameux donjon, ce fameux château. Et donc on se barre de là, j'ai rangé mes affaires, je me suis enchanté avec ce que j'avais d'XP. D'ailleurs j'en ai plus d'XP. Je me suis enchanté mes affaires, etc. Donc il y avait aussi des bouquins que j'ai lus. Donc il y a un bouquin qui nous conseillait de faire un bateau et de partir vers l'est. Mais bon, j'ai pas envie de faire ça de suite. J'ai envie de retourner, comme je sais pas si je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, je me rappelle plus. J'ai envie de retourner à l'endroit, à l'endroit où on avait trouvé un PNJ qui nous disait d'aller où on pouvait aller vers l'End avec. Tout ça, ça a été fait, tout ça. Hop là, tiens, je vais descendre là. Ouais, tout ça, j'avais fait. Ok, donc je me suis refait un backpack, évidemment, comme d'hab, j'adore les backpacks. Il y a encore des araignées, donc il doit encore avoir des mobs spawners, je ne sais pas où. Tout ça, je prends pas, on s'en fout, ça, on s'en fout. Encore avoir des mobs spawners quelque part. Ah bah tiens, là. On va se le faire quand même, on va pas laisser un mob spawner nous gâcher la vie. Rappelons qu'on est mort quand même la dernière fois. T'es où toi? Bah où est-ce qu'elle est? Poison, ok. Je veux le mob spawner. Récupère un peu de pierrasse. Na. Pour finir entièrement ce château. Ok. Non mais. Putain, mais arrêtez de me faire tomber sans déconner. Je veux vous finir. Non mais. Je grimpe si je veux. Je sais pas où il est. Ah, régnier là-bas. Ah, bah pourtant je suis monté là. Il doit y avoir un mob spawner quelque part. Hein. Je suis pas passé par ici. Bah si, il y a des torches. Qu'est-ce qu'elles peuvent m'empoisonner? Si, je suis passé là, obligatoirement, là. Bah ouais, il y a des torches. Ouais, ou alors c'est des trucs qui restent. Bon allez, allez, on va pas perdre de temps, je viens de descendre, de toute façon. Manger un petit steak. Ok. Normalement, on va essayer de récupérer, de régénérer sa vie. Donc, je vous disais, on va essayer de retourner aux coordonnées que j'avais noté. Putain, mais casse les pieds ces araignées. Faut que je me trouve des vaches pour me faire un... Ah non, je veux pas crever là, hein. Je peux pas descendre là. Deux cœurs, peut-être pas. On va descendre pas. On va descendre normalement, hein. Par les escaliers. Ah bah ça remonte. Par où on descend de ce machin? C'est un vrai labyrinthe ce château. Ah bah voilà. Allez. On dirait que c'est là à droite. Yes. Ok. Allez. Je sais pas où je vais mais j'y vais. Effectivement, ça descend. Il doit y avoir des escaliers pour descendre. Ah bah là. Mon dieu, c'est immense, hein. C'est vrai que c'était immense. Lol, 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 lol. Hop. On va prendre le terrain normal pour descendre. Est-ce qu'on a tout fait ici d'ailleurs? Oui, hein. Il y a des souterrains ici. En même temps, j'ai dû venir aussi. Oh, quoique, pas sûr. Eh ben non, je suis pas venu ici. Oh là là, on n'a pas fini encore. Ok, il n'y a rien. D'accord. Là, je l'ai vu. Normalement, il y a... un mob spawner. Allez, hop, ici simplement. Ok. Allez, visitons les tombes. On va pas les péter. Je pense qu'il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien. Allez, hop. Avançons, avançons.
À droite, à gauche. Allez, à gauche. Ah ah, là, il y a un mur. On va le faire. On va le péter. On va aller voir un petit coup à gauche avant. Ok. D'accord. Là. D'accord. Allez, on va à gauche, à droite, là. Parce que ici, effectivement, il y a un passage. Mangeage. Bonjour. Labyrinthe. Encore des prisons. Encore des mobs spawners. J'adore ça. Alors, on prend un bain. Ok, nickel. Hop. On récupère un peu d'XP. Il y avait un mob spawner là la dernière fois. Eh ben, c'était pas fini, hein. Il y en a autant en haut qu'en bas, on dirait. Enfin, en bas qu'en haut, je veux dire. Ok, nickel. Ici, bon, il n'y a rien. On va mettre éclairer. Allez, zo. Enfonçons-nous dans les profondeurs du donjon. Ce n'est pas du tout encore ce que j'avais prévu. Oh putain, c'est pas possible, mais c'est immense. Waouh, c'est cool. Bon, on va essayer de pas crever. Il y en a un qui me suit là. Oh, il y a deux gamins. Allez, gamins. Hop, hop, hop. Putain, je suis dans l'eau. Hop là. Ok, nickel. Mon épée, non, ça va. Voilà. Bon, c'est fini, oui. Non, c'est pas fini. Donc maintenant, j'ai ma pomme à portée de main, ainsi qu'une potion de régène au cas où. Ok. Bon, faudra aller par là, hein, c'est... D'accord. Ok, là, on va y aller à l'arc, parce qu'ils sont un peu nombreux, les copains, là. Raté. Ok, on se barre. Allez, on est reparti pour du fight. Alors, on va finir les tombes à éclairer. Alors, où est-ce qu'il y a des mobs spawners ici déjà? Il n'y en a pas un là-dedans? Si. Ok, c'est qu'il y en a bien là. Il n'y en a pas d'autres? Ça va. Ok, là c'est safe. Est-ce qu'on va là-dedans avant? On peut aller jeter un œil au cas où. Avant de... Allez. Avant de se faire les caves, on va dire. Là. Éclairage. Là, je devrais bosser pour... Pour le DF, moi. Tout l'éclairage que je mets... Ouais, ça ira là. Essayer de trouver des petits coffres, des petits trucs. Bon, on va le mettre là. Bon, dans l'eau, c'est pas terrible, terrible, mais bon. Ah, du gravier. Une chute d'eau. Une chute d'eau. Est-ce que ça permettrait de remonter quelque part, ce truc? Il semble que non. Ah, bonjour! Bah, mob spawner là juste derrière. On va se taper le gravier là pour voir. Normalement j'ai une pelle quelque part, oui. J'ai enlevé ma pomme, c'est un peu risqué mais bon. D'accord, bien vu. Bah c'est pas grave hein. Allez hop. Il y a un mur là en face qui m'intrigue. Donc on va aller creuser là. C'est quoi ça? Ça a l'air d'être des slime bots. Des slimes. Ah, il y a des coffres. Nickel. Bon, avec la flotte, il... Là, il y a un mur avec des coffres. Regardez! Le trésor! Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Des potions. Des pantalons. Une épée. Un plastron en fer, des patates, une souplette et encore des soupes. Alors, ça on vire. On récupère la chair, on a vu que l'autre il est changé contre des émeraudes. Ensuite, on vire ça.
Ok, ça on vire aussi. Les os aussi, parce que j'en ai pas besoin. Ça, on va fusionner là. Ok. On va manger une petite soupe. Non, on n'a pas la place. Ok, ensuite, ça on a jeté, ça on a jeté, ça on a jeté, ça on a jeté. Ok. Donc lui, il est fait. Ensuite, ça, soupe, ça se stack pas, mais c'est pas grave. Là, 6. Non, c'est pas la peine. Alcool de contrebande, résistance et bonus de vie. Alors, ça, on va faire ça de suite. Puisque je me suis fait... Si l'on peut le prendre. Bon, ça... Allez, on va le prendre pour le fun. Ici, c'est que les potions. Un gros backpack de potions. Voilà. Ensuite, on va mettre les backpacks de suite, ici. Comme ça, on va ranger au fur et à mesure. Donc lui, il est fait. Ensuite, là, on s'en fout. Là, il n'y a rien dans le four. Là-dedans, c'est de la flotte. Des patates, c'est bon, on s'en fout. Ok, protection 2, on s'en fout. Et là, voilà, on prend toutes les potions, vu que j'ai un backpack spécifique potions. Et on va essayer de les utiliser un peu plus. Résistance et bonus de vie, c'est pas mal ça. On va la mettre là de côté. Voilà, ensuite on va ranger de suite rapidos. Enfin, on va essayer là-dedans. Voilà, ici j'ai des chest plates, on va les foutre là. Là, ça on va le foutre là. Enfin, s'il veut quoi, voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça, je m'en fous. Voilà, ensuite, rapidos, j'ai un petit pantalon tout pourri, on va le récupérer quand même. On va mettre la deuxième épée ici, quoique on va pas en avoir besoin de suite, on va foutre là, celle-là également. Et puis, on a de la bouffe, on a de la ficelle tout de suite, hop, c'est pas là, c'est là. Rangeons, et puis la bouffe, c'est là d'ailleurs, on va foutre ça là. Voilà, on va se garder quelques soupes là-dedans. La pomme, des potions, nickel. On fait ça, on fait ça. Voilà, je commence à aller un petit peu plus vite qu'avant sur régène et puis pomme dorée. Ça peut être sympa. Ok, bon, hop, fait, on se barre. Il y avait peut-être le mur ici qui m'avait l'air suspect, mais non. À moins que les se sont échappés par ici. Les... Non, il n'y a que dalle. Bizarre d'avoir mis de la stone ici, mais bon. Enfin, de la stone. Ok, bon, et ben ça c'est fait. Ça c'était une connerie. Oh, quoi qu'on peut remonter là, on dirait. Ah, ouais, on est en pleine mer. Ok, c'est pas grave. Bah non, si, on n'a pas fini en dessous. Alors, on y retourne. Puisque il y avait d'autres endroits, c'est par là. Bon, c'est un peu chiant de marcher dans l'eau. L'épisode va s'appeler les souterrains, à mon avis, ou les bas-fonds. C'est vrai que je suis con, j'ai creusé alors que il y avait la mer au-dessus. Ok, donc on n'a pas fini tout ce grand chemin, tout ce souterrain. Je suis arrivé par ici, donc effectivement. Donc, allons voir un peu ce qui se trame par là. C'est encore des prisons ou une petite Twitch. Ma copine me jette pas de potion dans la gueule. Elle va me... Non, ça va. Putain, elle a eu le temps quand même. Poison, putain. Faudrait que j'aille me chercher vraiment une potion de lait parce que c'est chiant. C'est quoi qu'elle a acheté, elle? Waouh. Ouais, j'ai récupéré 2-3 conneries. Ok, enlève-moi le poison là, c'est chiant. Alléluia. Trop chiant ces witch. Allez, 6 secondes. Voyez. Ok. J'ai de la régène. C'est de la régène ça. 30 secondes. On va la prendre. Ok. Vu que de toute façon, on a plein de. On a plein de. De potions. Donc. Non, ça a rien d'aller là. Là, ça a l'air. Pourquoi il y a une trappe ici? Un passage là, je ne sais pas. C'est pour aller là-haut, on dirait. On va passer par la gauche. C'est vraiment bien foutu, hein, sans déconner. J'enlève les tapis au cas où.
Il y aurait une petite trappe. Enfin, une trappe, peut-être pas. Ok. Ah, il y avait peut-être des trucs dans l'eau, je ne sais pas, on verra plus tard. Là, on peut remonter. Bon, on va monter. Attendez. J'ai pas fait derrière. On va aller jeter un œil derrière. Putain, m'a fait peur, lui. Sans déconner. Que dalle là, et ici c'est fait. Ok, donc on va monter par les escaliers. Ah, ouais. J'ai un œil dans l'eau quand même au cas où. Loulouloulou, moi je fouille tout, hein. Je fouille vraiment tout, tout, tout. Ok, allez, on va remonter par les escaliers qu'on a vu sur la gauche, qui était là-bas. Oui, il va me prendre la tête. Raté. Ok, il y en a un autre là-bas. Ok, puisqu'il y a un mob spawner. Merde, j'ai tiré une flèche pour rien. Là. Voilà. Chut. On avance, on avance. Pas de mob spawner ici, là non plus, là, hop. Oh bah on a encore trouvé un trésor. Ou pas. Ah, des cuirs, ça je les prends. Ouh, casque de geôlier. Des bottes de geôlier. Prenons. Bon, des flèches, ça peut toujours servir. Hop. Voilà. Et puis, encore des flèches. Et encore des bâtonnets. Hein. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ok. Eh ben, c'est bien. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Bien. Eh ben, tant qu'on est là. On va se refaire quelques torchounettes. Hein. On va ranger toujours pareil. Perdu. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça, ça. Ranger dans nos backpacks. Non, ça j'en aurais pas besoin. Les trucs rapidos. C'est pas là. Ça, ça, ça va là. On rentre pas là-dedans. Non. Ok, tant pis. Ça, oui. C'est pour l'alchimie. C'est pour faire des potions de speed. Ensuite, là, je crois que j'ai pas... Non, c'est là. Hop, hop, on va ranger le cuir. Et puis, pour l'instant, on va pas les prendre. On va pas les mettre. Hop, on va se mettre des petites... Ouais, ça ira très bien. Hop, hop, voilà, nickel. Allez, hop, je range ça. Ok, bien sûr. Je vais jeter mon backpack, c'est sûr. Na. Bon, il y aurait eu les flèches à ranger, mais c'est pas grave. Allez, eh ben écoutez, ici c'est bien, il n'y a rien là-dessous, non. Ok, ben, je crois qu'on a fini le sous-sol. On en est où là? Putain, ça va trop vite. Il n'y a pas un passage là-haut? On dirait qu'il y a un passage. Non, c'est moi qui rêve. Ouais. Allez, on va pas s'éterniser. Je crois qu'on a fini le pour de bon cette fois, si le château. Bon, c'était vraiment cool. Hein. C'était vraiment sympa. Le tout, c'est de retrouver par où on se barre. J'étais arrivé d'ici. Il est bizarre celui-là. Ok. J'étais arrivé d'ici quelque part, mais où, je ne sais plus. Mmh. Voilà. Allez. Ok. D'où j'arrive moi encore. Là j'étais descendu. Comment je suis arrivé là moi? Ah, j'ai vu du bois là. Ok. Allez, on va y arriver. Allez, disons c'est grand. Eh ben ce château était vraiment sympa. Grand. Ah oui d'accord, je suis passé là moi. Donc, alors regardons la map. Ah oui, donc d'accord, je suis arrivé de par là, nickel. Bon, eh ben, ce qu'on va faire, il reste quelques minutes. Je vais retourner aux coordonnées, et on se retrouve. On va passer par le château, par le pont. On se retrouve aux coordonnées que je veux vous montrer.
pour corriger mon fail de l'épisode, je crois que c'était le 9. Allez, à de suite les amis. Voilà, allez, on se retrouve ici, j'ai récupéré Trashval. Donc au niveau map, bah on était... Où est-ce qu'on était? Il est où ce château? Allez, on était là. On va supprimer ça, c'est quand je suis mort la dernière fois. Je suis remonté ici. Donc je suis revenu ici, donc on s'en fout, on va mener le truc. Nah. Et on va retourner. Alors c'était une échelle d'après mes souvenirs. Ok, barre-toi toi. Il y avait... ah oui, voilà, c'était après le pont. Voilà. On va aller retourner voir le bonhomme. Et on va lui... On va mettre à jour le truc. D'après mes souvenirs, c'est là. Voilà, ok. On va finir l'épisode là-dessus. Après avoir fait les souterrains. Voilà, je crois que je m'étais grave fail ici. Parce que le gars, il est là. Et compte 3 émeraudes. Il me donne un œil du néant. Et en fait, les 3 émeraudes, je les ai. Donc je sais pas ce que j'ai foutu. Ça doit être dans un de ses backpacks. Voilà, il y en a 2 ici. Et bon, on va prendre tout au cas où il aime pas. Voilà, si je te donne ça, mon go. Ah, 2, il me donne un coffre. De toute façon, j'en ai plein. Ok. Et puis 3. Il va me donner ça. Ok. Ça, on s'en fout. Invisible, on s'en fout. Ok. Et donc, vu que j'ai ça, je peux faire ça. Et ça sert à rien. Mais bon, on l'a fait. Je sais pas pourquoi, mais je voulais le faire. C'est ce que je disais, vu qu'il faut le compléter le machin. Ou alors, je sais pas. En tout cas, je voulais faire ça. Ça a rien déclenché. Peut-être ça aurait dû déclencher. Mais en tout cas, on a récupéré un coffre du néant. C'est déjà bien. Bonus de vie, on s'en fout. Faiblesse, on s'en fout. Ah, puis voilà, lui, il me donne plein d'émeraudes. Compte de la viande putréfiée, voilà, depuis le temps que je la récolte. Faut bien s'en... C'est pas là, s'en servir. C'est peut-être dans celui-là, en même temps. Ouais, voilà. Il va me donner plein d'émeraudes contre tout ça d'ailleurs. Voilà, on va vider nos affaires. Hein. Allez mon gars, donne-moi des émeraudes, mon petit copain. 41. Tic. Ouais. Voilà. T'en faut 15. Et ça t'aime pas. Ah, tu peux pas les fusionner si je fais ça. Viande corrompue, 12, bon bah c'est pas grave. Viande inconnue, chair putréfiée, 12. Ok, on va virer la viande inconnue puisque c'est tagué. On va remettre ça là-dedans. Ou pas, pas dans celui-là, pas dans celui-là, dans celui-là peut-être. J'en ai plus d'autres, non. Ok, nickel. Tant qu'on y est, on va ranger les fameuses flèches qui sont en trop. Et on va ranger ici les émeraudes. Du coup, j'en ai 14. Pourquoi pas, ça je m'en fous. Voilà. Et puis une pelle, j'en ai une. Une barrière, ça peut servir pour le cheval. Voilà, hop, on va ranger ça rapidos. Je fais n'importe quoi évidemment. Tac, tac, tac. Hop, hop. Et du coup, on va pouvoir. On a un petit coffre du néant, ça c'est sympa. Et peut-être une pioche en gems. Non, en fer, je pense que ça suffit. Voilà, bah écoutez les amis, on va se quitter là pour cet épisode. C'était Mister LD sur Dramo 2. Bah écoutez, aujourd'hui on a fait les souterrains du donjon. Et on repart pour le prochain épisode pour de plus belles aventures. Allez, à la prochaine. N'oubliez pas, vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge. Mais expliquez pourquoi. Et puis voilà. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Ciao, ciao.